Et que ne go bête la kuna. Yo go zangote. Eh, wana si a bête. Eh. Eh. Kaka place ango. Eh baby si kaka place one. Kuna ndezo kende go kwela. Tala bête siko. Tala ndenge kei. Ça va. Là, tu connais ma cama, Abu y a dit que ta moisson, nous bon. Abu y a kama ta moisson. Mien ni comme moisson, ni quoi ça allait que tu en gapi. Lundi, tout quoi pas ni 13h, 12h, tout qu'on a 12h45 minutes. Nous sommes où les bonnes qu'on a tangaza coule comme réseau social, nous sommes qui a déjà comment t'as moins bon. Wazalendo angali kimweso, nikiwaza tunafungia kule mwongozi, mpaka sai tungali kitu tunamaintenir. Tunakamata nani yote nikiwaza mnaiwa hapa, banaiwa pale watu wakisoma wanapata soma hapa ni mweso. Mtu asidanganye watu, msidanganye population. Kusema kama mweso ilisha kamatua, mweso yaingia kumkono ya M23. Na tutapikana na M23 jusqu'à notre sacrifice suprême. Hatuta lâché hii bataille. Nous sommes prêts à mourir à cause de notre nation. Hatuene kuacha hii eneo juu ya kusema kama tunakimbia, tutakimbia, tunaenda wapi. Hatuna fazi kwa tunapasha kuenda kusema kama tuende kuingine inchi. Sasa senu shenu dae. Hapa ni kwetu na hatutaenda fazi. Tutapikana na adui hata na kuya tutapigana naye. Na nusu yituko na tutapigana naye. Nous sommes, prêts. Nous avons basé nos jours à l'école. Ils sont tayari. Raison des patriotes résistants congolais sont tayari. Kwa kupigana ndani ya hii deuxième première zone B. Tuko tayari kwa kupigana kwa muda wote. Hatuna shaka, tuko na silaha kwa mkono. Tutapigana kwa muda ajayo yoyote. Adui akakuja tutapigana naye. Na population kwe calme, wazidi wa kuomba, wazidi kutuombea na wapolitisi wazidi kufanya politiki. Metu na tutajikaza Munyarwanda huyu mtu ambaye hakutahiriwa. Hata kamata hii nchi yetu kwa bure hapana. Mtu hakutahiriwa hata kamata mtu mwenye hakutahiriwa hata kamata hii nchi. Wale waisiwe konsi. Hata kamata hii nchi. Hii ni nchi ya mababu yetu. Batatetu ndio walituachia ka hii nchi. Nous sommes déterminés. Avec courage. Mwana mboka? Yeah. Mwana mboka? Yeah. Okay, nafsi. Hapa kwa kunaona ile pale ni adui. Na pale ni adui hapa tuko mwongozi. Hapa wazalendo ya réseau des patriotes résistants congolais nyoko coordonner gido shimura ya Musa Savili mimi nikonasema hapa. Sisi tuko napigana hapa. Tunapigana pale, wenzetu wote malegre basha tuacha. Mmetungali kitu tunapigana tu. Hii ni nchi yetu. Hatutatoka mwa nchi yetu, hatutaenda fazi. Tungali kitu tunapigana na huyu adui. Me adui tulianza depuis 4h du matin, sai tuko 14h. Tungali kitu tunapigana. Hapa mbele yangu ni nani ni Mweso. Mesai tuko na 14:15 minute. Me tungaliki hapa karibu na mwongozi hapa vijio tunapigania. Depuis 4h du matin mpaka hivi. Hatu abandone bataille. Na hatu abandone bataille. Parce que c'est notre... Il peut gagner la bataille mais il ne peut pas gagner cette guerre. Nous allons porter cette guerre. Hii guerre iko yetu. Chendi tutashindana. Mwenyana yetu shinda wa inchi yetu. Hata kama milima anazoea kwa huku Masisi Ruchuru kwenye viko na mandugu yao mingi. Mais
lakini wakati atakanyanga udongo walikale udongo wa babu hasi anga wakakarembe hapa chini hamekwasa hamekuwa anyo hawatatambuka hiyo tuko tunasema ni kweli paske tuko napigana huko tuko tu sie na sie ni réseau des patriotes sa congolais tuko baraba repérez tu asitudanganye tuko pale ni kwanza zinaye mbura mfamia hiyo tuko naye zinaye mbura iko pale na wengine wote biko tuko napigana na nyuma yetu pale kuna tega jeshi na mbele tuko jeshi tungaliki hapa jusqu'à l'aube. Il y a danse et tout ce qu'il y a. Danse et tout ce qu'il y a. Jusqu'à l'homme, t'es toi rouge. Il t'es toi rouge. Président de la République, il y a quoi une confiance dans les ressortissants de Walikal. Il y a une base de bottes, il y a une zone B. Parce que moi, je suis commandant de la première zone B. Il y a une zone B, il y a une confiance. Tout à Pigan. Il y a 500 mètres par jour. Lakini habaye kuenda sasa bila tukura jitembea sasa ukatembeza ngombe ya mama yako haitawezekana nous sommes là et nous allons rester là nous allons mourir arme à main. OK, ciao. 28 février, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce matin en direct et en exclusivité, je dehors c'est Pengua Kambale, militant combattant de l'IDPS, président de la Ligue des jeunes au Nord Kivu. Gédéon, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les chers compatriotes, bonjour à Congo Live TV. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier auprès des Sakés? En fait, nous avons eu les messages comme tout le monde, surtout vous les journalistes qui nous informez mieux. Nous aurons appris encore à un éventuel débordement des groupes terroristes M23 qui voulaient se rendre vers Sake. Et généralement, on ne sait pas définir les terroristes parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, tous les fermiers se sont déguisés en militaires du côté du M23. Alors, cela a été le cas. Ils ont avancé avec des armes en main. D'ailleurs, on précise qu'ils ont venu de la ferme Sadro. Il faut encore vérifier ça, je continue à vérifier. Mais, nous avons vu l'intervention de notre force qui a balayé, disons, cette velléité d'un revers de la main. Je pense que la situation est stable et calme. Au-delà de tout ce que nous avons appris avant-hier et hier sur les ravassés dans d'autres zones, mais au moins les rumeurs qui ont fusé de peu partout disant que ça qui serait en train d'être menacé, je pense que aujourd'hui tout le monde est apaisé et nos forces ont mis une ceinture de ce côté-là. D'ailleurs, ce n'est pas la première tentative, ils ont tenté pour dire qu'il y a des zones, il y a des lignes rouges que l'ennemi ne peut pas franchir avant que la RDC ne lance ses hostilités officiellement. Pas de signe direct des M23 des zones occupées comme les prévoient les chronogrammes de l'EAC. Il faut préciser en tout cas que la réunion des chefs d'état-major défense de la communauté d'Afrique de l'Est et EAC tenue à Nairobi le 9 février 2023 avait décidé que le retrait du M23 s'échelonnerait sur une période de 30 jours. C'est ce mardi 28 février que les mouvements de retrait des rebelles du M23 devaient débuter. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire qui s'observe. En effet, au lieu de quitter les espaces occupés, les rebelles du M23 et l'armée rwandaise poursuivent plutôt l'occupation des nouvelles entités. En tout cas, comment vous analysez cela? Merci, je pense que pour tout Congolais, toutes les personnes qui connaissent bien le comportement du M23, parce que ça, ce n'est pas une première tentative pour dire au M23 de se retirer pacifiquement. Ça a commencé depuis Angola, ils n'ont pas obéi. Oh, c'était prévisible, on ne pouvait pas passer que c'est maintenant, aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Addis Abeba, qui va obéir. Mais nous, ce que nous avons fait notre part pour montrer à la face du monde que nous continuons avec cet appel de cesser les faits ou de la quête
disons, de la paix, dans une voie qui était pacifique, vraiment, c'est une voie qui devait être privilégiée par tous les partenaires et par toutes les organisations qui s'occupent de la question de la paix et de sécurité au monde. Alors, il était convenu qu'aujourd'hui, le 28, déjà, on devait assister à une première étape du retrait du M23. Mais ce qui est vrai est que la situation est restée la même et que l'ennemi s'est obstiné dans sa position parce qu'il a des objectifs. Ce qui est vrai, l'accord ou le communiqué d'Addis Abeba vient mettre fin à tous les objectifs qu'il se soit assigné. Mais lui continue son bonhomme de chemin. Pour nous, nous disons que... qu'il fasse ce qu'il peut, qu'il reste dans sa position, parce que nous ne sommes pas aussi dans cette seulement position, mais nous avons privilégié tout d'abord commencer par là. Je pense que nous sommes en train de venir, le monde entier va constater, j'espère ce qu'on nous dira encore, nous avons toutes les raisons pour lasser les hostilités, nous avons toutes les raisons, disons, pour faire la guerre au M23, et évidemment, nous avons compris que le M23 avait autant de soutien par les sociétés multinationales, mais aussi d'autres pays qui bénéficient de cette guerre. Alors, il faut qu'à un certain moment, ils comprennent que non, ils pouvaient aussi ôter leurs mains derrière le M23, par rapport à tous ces crimes qu'ils sont en train de commettre, c'est pour ça que nous avons privilégié cette voie, pour essayer de se parler, pour faire comprendre les gens ce qui se passe et pourquoi il faut que le M23 se retire. Alors, nous avons, comme je l'ai toujours dit, nous avons épuisé la procédure, nous sommes à la fin, je pense que notre force va se faire sentir parce que nous n'avons plus l'État pour une autre, disons, pour parler du genre. Nous avons même atteint l'instance supérieure avec les communiqués au niveau régional, dont le communiqué qui a même été signé par l'ONU. Nous pensons que maintenant, nous allons évaluer la force de nos militaires, ils vont entrer à jeu. Nous avons ces 30 jours aujourd'hui, nous sommes en train de compter les jours au bout du doigt. Donc moi je pense que les jours du M23 maintenant sont comptés au bout du doigt. Parce que je sais ce que c'est notre armée et je sais que quand ça va commencer, et donc ça va revenir là où c'était venu. Alors, il y a un député provincial élu de Butembo, proche de Katumbi, qui s'est dit favorable à un dialogue en fait de faire taire les armes, un dialogue avec le M23. Bon, il a raison parce que il vient, disons, il est né dans cette passée-là, qui pense que il faut toujours intégrer les rebelles qui sont à Brousse. C'est la pratique que nous avons connue il y a des années et c'est ce qui a rendu frêle aujourd'hui notre armée. S'il y a une partie qui était restée à Brousse, c'est pour quand ces gens-là étaient en train de gérer la République. C'était pour cette raison et parce qu'ils pouvaient encore être ramenés, disons, dans l'armée, pour que dans l'armée, dans la politique. Et donc, il est dans cette logique du régime qu'ils ont géré il y a 4 ans, 5 ans. Et si, bien évidemment, je salue les Congolais pour les efforts qu'ils avaient fait pour changer le régime. Mais sinon, on devait déjà connaître encore d'autres scénarios du genre intégration. C'est normal qu'ils le disent et c'est ça leur position. Parce que quand aujourd'hui vous essayez de prendre, disons, les réactions des politiciens, ils sont dans autre chose alors que le pays est menacé parce qu'ils ne conjuguent pas avec le peuple congolais dans sa position
de faire militairement les groupes armés, surtout les terroristes M23, comme c'était leur affaire, c'était leur machine qui permettait la déstabilisation. Et de cette déstabilisation, ils avaient des justifications zoopolitique pour ne pas faire ou autre, pour ne pas faire autre chose si le plan du développement, vous voyez, il devait prétexter une guerre à l'est de la République. Alors, le M23 était entretenu par ces gens. Vous voyez que tous sont restés bouche cousue parce que ils ne peuvent pas conjuguer avec cette vision de ramener la paix et la sécurité, parce que c'est eux qui sont perdants dans la paix et la sécurité. Ils gagnent dans ce désordre-là. Mm-hmm. Vous voyez, c'est logique dans sa passée. Mm-hmm. Alors, vous avez suivi les discours du chef de l'État hier, à Genève, bien sûr. Tout à fait. Comment vous analysez ça? Bon, le discours du chef de l'État, c'est un discours en fait qui a essayé d'étayer certaines réalités sur la vie politique à République démocratique du Congo, surtout que ça concernait plus l'aspect droit de l'homme. Le niveau aujourd'hui du respect de ces droits de l'homme, différemment de ce qu'était l'image de la République démocratique du Congo, parce que au Congo on savait qu'on ne pouvait pas parler c'était tabou, parler de la politique ou critiquer et politiciens et dirigeants, on avait sa place à prison, la liberté d'expression qui n'était pas respectée, mais aussi les droits de la manifestation aussi qui n'étaient pas respectés. Mais aujourd'hui, il a fait montrer qu'il y a des avancées dans ce sens-là, que la démocratie est en train de prendre sa place, la République démocratique du Congo, les droits de l'homme et respecter ça, c'est une évidence, sauf que il fallait montrer que non, mais le droit de l'homme ne sera pas seulement respecté en République démocratique du Congo, parce que quand c'est nous, on frappe fort, et quand c'est eux, on ne sait rien. Vous voyez ce que nous sommes en train de connaître, sinon, si il n'y avait pas une politique de deux poids, deux mesures dans cette structure-là, des droits de l'homme au niveau de l'ONU. Le Rwanda serait déjà sanctionné depuis longtemps. C'est d'ailleurs ce que le président était en train de plaider, pour que le Rwanda soit sanctionné par rapport aux crimes qui sont commis à la République démocratique du Congo, et que l'organisation, les structures des droits de l'homme, ces organisations observent avec indifférence, il n'y a pas de réaction. Et donc, est-ce que nous sommes écartés aussi de l'humanité? Est-ce que les droits de l'homme, il est violé sur le côté congolais ou sur le sujet congolais, on n'est pas concerné. Vous voyez, c'est autant de questions. Je pense qu'on devait quitter cette fiction seulement pour essayer, on appelle au respect des droits de l'homme pour essayer d'anéantir les efforts, des dirigeants congolais. Quand les dirigeants congolais veulent agir, on évoque la question des droits de l'homme. Je me rappelle avec la guerre, les massacres à Beni, à Ituri, et quand nos forces armées commençaient à bombarder, on a appelé encore au respect des droits de l'homme, alors que les sujets congolais sont en train d'être égorgés cruellement par des groupes terroristes là-bas, et on ne dit rien. Personne n'évoque cette question des droits de l'homme, alors que aussi ils ont droit à la vie. Mais quand on a bombardé, on dit non, il y a les femmes des ADF, ces enfants ne sont pas des ADF. Alors qu'on savait qu'il y a un peuple qui vient.
Les gens voyaient qui est en train de massacrer un autre peuple. Voyez. Et donc, c'est cette politique de deux poids, deux mesures. Il fallait mettre fin à ça parce qu'à un certain moment, nous mettrons des coteaux dans nos oreilles pour faire ce que nous pouvons pour nous libérer. Et donc, plus vous nous étouffez, plus on développe des mécanismes pour se libérer. Voyez. Et donc, ça peut ne pas coller avec ces principes-là des droits de l'homme dont on nous impose. Les droits de l'homme naturellement existaient parce que tout le monde a grandi ça, il connaît que tuer c'est mauvais et tout ce qui est principe moral. Alors, Emmanuel Macron, président français attendu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'issue de sa visite annoncée en Afrique. Alors, Monsieur Gédéo, on a vu des jeunes qui commencent déjà à se mobiliser à Goma. Je vois ces communiqués. Nous informons la population du Nord Kivu et celle de Goma en particulier, qui est la synergie. Des mouvements citoyens et groupes de pression organisent une ville morte jeudi 2 mars 2023 pour dire non à l'arrivée des Macron sur les sols congolais. Donc, tous, nous allons nous rencontrer au consulat français, en tout cas. Pour dire non à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'RDC, car c'est lui qui finance les rebelles et il vient financer également les projets de balkanisation. Pas d'école, marché, circulation des véhicules et motos. Ah, les mouvements citoyens appellent déjà une manifestation, une journée ville morte, un site suivi d'un sit-in au consulat français. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée et comment vous analysez cela? Bon, c'est une action citoyenne et moi je. Peut-être que si j'ai le temps, moi aussi je participerai parce que je suis indigné d'ailleurs de cette présence d'Emmanuel Macron, mais je sais qu'en politique, il n'y a pas d'ennemi et toutefois il peut être persuadé avec la détermination des Congolais sur la situation. Je pense qu'il sera obligé de cesser ou avec son soutien au M23 ou au Rwanda. Parce que nous ne lâcherons pas, nous allons continuer, peu importe la puissance qui se soit toujours vantée, mais il n'y a pas une puissance qu'à un peuple déterminé. On a l'histoire du Vietnam avec les États-Unis et c'est là où nous sommes en train d'aller, nous ne céderons pas. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un du Rwanda, c'est lui le patron du M23. Pourquoi vous partagez les mêmes avis? Oui, nous le disons. Mais vous êtes au pouvoir, c'est vous qui allez accueillir le chef de l'État. Oui, nous le disons chaque fois. Alors, dans la diplomatie, il y a quand même cette courtoisie, il y a de l'élégance et surtout, bien qu'il y a des problèmes, quand on connaît l'ennemi, on ne cesse pas de s'entretenir, de parler. C'est pour ça que, quand même, nos états-majors ont réfléchi sur son accueil. On doit l'accueillir. Mais nous, comme citoyens, nous devons manifester pour dire non, voilà ce que vous êtes. Nous ne pouvons pas jouer à l'hypocrisie. Il faut dire à Macron ce qu'il est et que nous ne l'épiffons pas aujourd'hui. Vous voyez Emmanuel Macron, moi ce que je sais, je pense qu'aujourd'hui, le Congo, c'est en Afrique, c'est le pays qui est en train de se démarquer, surtout, c'est un marché aujourd'hui, et que vous voyez ces pays-là, comme la France et tous les autres pays, ce sont des pays industrialisés. Aujourd'hui, il n'y a que le Congo qui achète des armes dans les continents africains. Si vous essayez de voir le Congo a fait des contrats avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie. Et donc, Emmanuel Macron se voit écarté alors qu'aussi, il peut gagner quand même un marché. Je pense que cet aspect entre en ligne de compte. Il peut aussi négocier pour que nous puissions prendre de ces armes aussi. Parce que c'est clair et c'est manque à gagner pour la France. Vous voyez? Et donc, d'accord. On finit par cette information. On revient sur la situation d'hier. En tout cas, l'armée congolaise a réussi à repousser les rebelles du M23 grâce à son artillerie, voilà, appuyée par les Sokoye 25, une attaque des rebelles du M23 qui voulait prendre ça que le lundi 27 février 2023, enfin découper la route Sake Mugunga vers la ville de Goma. Des combats ont fait rage toute la journée.
En tout cas, nous apprenons que quand même l'ennemi a été repoussé. Voilà, un commentaire là-dessus pour finir. Bon, je pense que l'effectif du M23, nous sommes en train de le diminuer, mais que l'armée puisse savoir que ces zones-là sont des zones où il n'y a pas de civils. Tous ces gens-là sont des militaires, tous ces tout cela. Ils nous ont collé un truc là, disant que non, la population ou le peuple est tout est menacé, parce qu'ils les ont déjà donné un mot de passe et que tout le temps qu'on sera en train de vouloir toucher sur ces peuples-là, on dira que ce qu'on avait dit, il y a un génocide qui est préparé, alors que tous ils ont des armes. Et donc, il fallait y aller avec tact, savoir que non, tous ces gens-là sont des militaires. D'ailleurs, moi, j'ai proposé des couvre-feux dans ces fermes-là. Ça n'a jamais passé. Je ne sais pas pourquoi le gouverneur militaire du Nord Kivu, il hésite encore. Mais il y a un village là qu'on appelle Kajagari, c'est à Masisi, dans les Masisi. Mais il faut voir, là, c'est leur état-major. Et tous ces gens qui sont là sont des militaires, et tous ces gens-là qui sont là, ce sont des M23. Et il n'y a uniquement que des Tutsis, vous voyez. Et c'est là où vient, Moucha qui pouvait tomber, si l'autre zone ici qui est tombée dernièrement, ils ont pris, ils sont venus de là. Je pense que notre armée, notre renseignement devait faire bien son travail et demander les gens qui sont là, parce que nous savons comment ces gens-là travaillent. Mais moi, je ne pense pas qu'ils vont, André, qu'ils vont faire cette blague-là, tenter de venir à Goma, là, ils s'apprendront à eux-mêmes. Ce qui s'est passé hier, moi, j'ai dit à Swahili Odina Bado, je pense que la frappe va venir, elle sera impitoyable, parce que nous avons vu, ils ont avancé vers Rubaya, d'ailleurs, et je pense que ça chauffe au niveau de là, et que l'armée congolaise, nous attendons les quelques jours qui est accordé au M23, mais je pense qu'ils pouvaient bénéficier de cette dernière chasse, de se retirer. Les quelques jours, ça commence normalement aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui déjà. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter les jours. Nous sommes en train de compter fin mars. Je pense que l'est de la République sera libéré dans dans peu de temps. Nous avons si pour. Vous dites ? Libérer Soufaché, c'est ça ? Tout à fait, je sais qu'il est déterminé pour libérer, pour donner encore la gloire à ce grand pays, à honorer, disons, les Congolais. Partout où on passera, on saura que c'est un Congolais, c'est un état fort, c'est ça l'objectif. Merci, Gédéon, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin. Je vous vois en veste, en tout cas, les pouvoirs. c'est pas. C'est quand même le président de la Ligue des Jeunes, des PES. Hein. C'est pas une veste du pouvoir, ça. Ça c'est... Vous êtes le président de la Ligue des si Jeunes. Le... Oui, si c'était le pouvoir, ce serait pas ça, peut-être. Ça mais serait autre chose que ça. Oui, si Ligue des PES est au pouvoir. Oui, et vous aussi. Moi, je suis pas encore au pouvoir, c'est vous. Je ne suis pas encore dans le stade de décision. Ouais. Je ne suis pas encore dans les stades de décision. Ça viendra avec l'État. Moi, ça m'inquiète pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est ma responsabilité en tant que citoyen. Oui, je parle de ta veste, du pouvoir en fait. Bien vêtu, monsieur. Bon, merci. Je vous remercie. Le pouvoir partout présidentiel. Franchement, c'est pas ça. Merci, monsieur le journaliste. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci, on sera disponible. Merci. À bientôt. Bye.